Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique sur Resident Evil 4, évidemment, épisode 5, j'espère. Que vous suivez toujours jusqu'ici. Merci infiniment à tous ceux qui prennent le temps de poser leur plus beau like, évidemment, et leur plus beau commentaire. Vous aidez énormément, non, ne serait-ce que ma personne, ça fait plaisir. Et en plus de cela, vous aidez énormément les vidéos. Voilà, et ça, j'ai envie de vous dire, c'est cool. Comme d'habitude, plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Merci le chat, heureusement que je peux compter sur vous, même si certaines personnes ont des manières virulentes hein, de dire les choses. J'ai une carte. Je sais pas ce qui m'a pris. Je n'ai aucune idée de ce qui m'a pris. J'ai totalement oublié que j'avais une carte. Et donc, par conséquent, le dernier médaillon est tout simplement dans la petite cabane du pêcheur. J'ai totalement vrillé à ce sujet-là. Et normalement, si je ne m'abuse, ça devrait être sur un pan du toit, ou peut-être derrière, regardez. Voilà, on n'avait même pas vu ça déjà. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, c'est... Oh. C'est sur ce toit-là. Hein. Le dernier médaillon, ah peut-être en dessous, voilà. Waouh, tu m'étonnes que j'avais pas trouvé, frérot. Et pourtant, on l'avait fait, on est rentré à l'intérieur. Mais l'angle de caméra, les obstacles et tout font que ça a été très difficile de le voir. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Allez, on est parti. Vous inquiétez pas, plus de mal que de peur, comme on dit dans le milieu. Et là, on a quelque chose à mettre. Et c'est pas la clé de l'insigne, on aurait pu croire. C'est pas du tout la clé de l'insigne, je ne sais pas du tout où est ce trésor. On verra un petit peu plus tard, évidemment. Allez, on est parti, on retourne dans le village. Qui dit le village dit la clé de l'église. Et là, vous savez très bien normalement ce qui va se passer, évidemment. Allez, on va save ici. Comme d'habitude, c'est la première run, je préfère sauvegarder bien plus qu'il n'en faut, on est avant tout en vidéo, ça doit pas être relou ni interminable si jamais je meurs ou autre. Bref, j'espère que la qualité proposée et que le let's play vous plaît toujours jusqu'ici évidemment. Ok, on a un trou dans le mur ici et un trésor ici. On a un trésor porte avec un signe, mais ça, on va pouvoir y aller, c'est pas un problème. Donc, ce que je vous propose, je crois qu'on ne peut pas encore faire... on ne peut pas encore faire ce truc, il va falloir Ashley, vous l'aurez compris. Et pour l'instant, elle n'est évidemment pas disponible parce qu'elle est encore prise en otage, la pauvre. Elle doit m'attendre, ça fait 5 épisodes déjà qu'elle m'attend. Et encore, ça fait quelques jours qu'elle est dans ce village. Petite cascade, ok, ça on apprécie, on va faire le tour, attention au piège. J'ai hâte de revoir notre ami le vendeur, waouh. Waouh, attends, ça me plaît ça. Ça me plaît ça. Ok. Dans la démo, il y avait le Uzi. Mais là, malheureusement, nous ne sommes pas dans la démo, vous l'aurez compris. Okay. Très bien, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Très bien, ça me plaît. Alors, attendez. On sait jamais. On sait jamais. Il y avait peut-être une sorte de petite mission. Quelque chose comme ça. Mais apparemment, non. Très bien. Bon. Pas de coffre. Pas l'air d'avoir non plus de trésor en dessous. Non, je ne vois rien en tout cas. De toute façon, suplex. Oh non. Oh non. Ok. C'est déjà très énervant. Ils commencent déjà tous comment on peut appeler ça, s'entrechoquer la gueule, mais surtout et avant tout se transformer. C'est parti les amis. Enfin on peut rentrer dans cette église. Let's fucking go.
Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va par ici? Eh bien, qui voilà? Oh, oh les bâtards! J'avais oublié qu'il existait des serpents dans ce jeu. Une vipère. Qu'est-ce qu'on va faire avec une vipère d'ailleurs, ça en vrai? En vrai, de vrai. J'en ai aucune idée. Ok. Comment ça, il y a de la fumée obscure ici? Ok. Let's go. Couteau de cuisine, on adore les couteaux, on adore la cuisine. Lord Sadler, le même tableau que dans la maison de l'homme qui fait à peu près 8m30. Ça me dit rien, ça. Normalement, il n'y a pas un tunnel, quelque chose ici. Illuminados! Dors bien et continue de t'épanouir, cher enfant. À mesure que ton corps se développe, tes mères te cousent de nouveaux vêtements. Avec 7 quintaux de blé et la moitié d'un taureau par jour, tu es déjà trop grande. Tu es déjà trop grand pour ton parc. Épanouis-toi, cher enfant, pour tes frères et sœurs qui n'ont pas cette chance. Ok. Un enfant qui a grandi peut-être un petit peu trop vite. Beaucoup de têtes, beaucoup de morts, je pense, ici. Et ça, c'est bien triste, quand même, hein, il faut l'admettre. Ok. Oh. Ah! Ah! Ah oui! Ça, c'était pas dans le jeu de base. C'est effectivement une gigantesque tête. Si c'était ça l'enfant, on n'est pas dans la merde. Marre de manquer constamment de munitions. J'ai ce qu'il te faut. Le lance-carreau va te changer la vie, l'ami. Ces projectiles peuvent être récupérés, réutilisés. De quoi faire de sacrées économies. N'oublie pas non plus d'acheter la formule des carreaux pour transformer en carreaux les couteaux que tu as en trop. Avec ça, plus de soucis de munitions. Et ce n'est pas tout. Attache des mines adhésives au carreau pour transformer l'arme en un redoutable lance-mine. Tire sur un ennemi pour qu'il explose aussitôt. Ou vise le sol ou une paroi pour poser une mine à proximité. Tu perdras le projectile. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Évidemment. Ok, ça c'est fait. Bien. Ah, oh, à ce que je vois, tu t'es chargé d'une roquette. Bon travail. Ok. C'est parti, on va récupérer la récompense. Destruction des médailles. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Ah, alors attends. On adore nos herbes, ça oui. Guérir un homme, tuer un homme, elles peuvent tout faire. Un choix original. Ok, regardez ça. Regardez ça. Sertir. Ah ouais, je peux le sertir de plusieurs diamants. Bon, en vrai, c'est pas mal. C'est j'ai pas quelque mal. Chose de vendre. Nouveau pour toi, l'ami. On va vendre. Et 24 000, hein, tout de même. Boussole ancienne, collier pas sale, incroyable. Ça, c'est bon, on peut vendre. Eh bien, écoutez, on est pas mal. Étranger. C'est une vipère pour la roquette vipère à point 3. Ouais, bon, on va la garder. J'ai plein de choses intéressantes. Alors, oh, offre spéciale. J'achète si c'est une offre spéciale. Oh, tu vas tous les transformer en passoires avec une arme pareille. Ok. Formule grenada aveuglante et lance-carreau, une offre spéciale. Oh là là, il y a que des offres spéciales. On va réparer le cut. On va améliorer le cut. Ça fait pâte, hein. Notre savoir-faire. Ouais, ça me paraît pas mal parce qu'après on va se le taper tout le jeu, mine de rien. J'ai pas envie d'améliorer le pistolet parce que je sais qu'on aura mieux dans pas modeler très très longtemps. Une arme pour répondre à tes besoins. Oh, en vrai de vrai. Y a-t-il quelque chose de plus? Et voilà, comme tu l'as demandé. Voilà, la petite péteuse là, ça peut être pas mal du tout. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? C'est bon. Tu veux, c'est bon, merci à toi, mon ref. Alors, examiner, mettre en raccourci. Écoutez, en vrai, on peut le mettre ici. Voilà.
Hop. Ok. Ok, 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 ok. On a une nouvelle roquette. Un de mes amis est gravement malade. Avant qu'il ne passe l'arme à gauche, j'aimerais lui faire goûter une excellente vipère que l'on trouve par ici. Rien à voir avec les couleuvres que ces fanatiques veulent nous faire avaler. Y a-t-il un charmeur de serpent pour me prêter main forte? Vendre 3 vipères. Vendre 3 vipères. Ok, on va save. On va vendre cette vipère-là. On va voir si c'est considéré comme une quête. Enfin, en tout cas, comme une des vipères de quête. Vendre. Vas-y, prends-moi ça. Dis-moi un peu ce que t'en penses. Je savais que je pouvais compter sur toi. Elle va pas te faire tuer, yes, hein. Très bien. Très, très bien. Merci, monsieur. Vous êtes très agréable. Très, très agréable. Bougez pas. Hop, ça. C'est du rangement, hein. C'est toute une histoire de rangement. Normalement, pour avoir la crosse à la ricrosse, évidemment, pour notre petite péteuse. Ok. Très bien. Très, très bien. On va un peu lever la tête au cas où. Ok. Maintenant que je sais qu'il y a la carte, hein, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est? Il y a un trésor. Wow, 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 wow. Il y a un trésor dans ma botte. Comment ça, frérot? Quelque chose va forcément. Attends, dégage. Oh là, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Oh là là, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? C'est terrible. Heureusement qu'au moment où je vous parle, je regarde. Ok. Hop, ça, on va mettre ça là. Et ça, ici, on est bon. Et là, on va commencer peut-être à fabriquer. Allez, on est là pour se faire plaisir avant tout. Ici, le plaisir. Ouh, ça commence par les choses simples. On continue. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ok. Bonsoir. Une église. Ça doit être là. Tu crois que je t'ai pas vu, jeune frunqué? Mort. Là, je sais qu'il y avait des quêtes. Regardez, il y a un M, il y a un Z. Il se passe des choses ici très étranges. En même temps, c'est un cimetière. Il se passe toujours des choses très étranges dans un cimetière. Voilà. Ok, c'est... j'aime bien, j'aime bien. Ok, j'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ok. Chemin à droite. Église devant. Alors, là, il y a un truc qui se referme. Des V. Z et M. Hein. Notez-le au cas où. Les Z et M encore une fois. J'ai frayé les corbeaux. J'ai frayé les fucking corbeaux. J'adore les pesetas. Putain, ils sont de plus en plus radins. Ok. Mais mec, c'est quoi cette protection, frérot? Oh, c'est une église. Condor 1 à Perchoir. L'église est fermée. Et Eglon? Négatif. Toujours rien. Mais l'endroit est aussi verrouillé qu'une prison. Je vois. S'ils font ça, il y a forcément une raison. Oh, elle est là. Il n'y a pas de doute. Je vais chercher un moyen d'entrer. Condor 1, terminé. Ok. Évidemment, le seul moyen de rentrer, c'est de contourner.
Toujours retourner. J'aime, je prends. Trésor. Trésor à gauche, trésor à droite. Ok. Un système de médailles là encore. Oh putain, il se passe beaucoup de choses. Ça en prend. Qu'est-ce qu'on a là? Une broche à cheveux élégante. J'adore quand c'est élégant. Qui plus est. Ces jumeaux de malheur qui nous ont trahis en rejoignant ce culte maléfique ne méritent pas de reposer en paix. Quelqu'un saurait détruire les emblèmes gravés sur leur pierre tombale. Progression 2. Détruire les emblèmes sur les tombes. Ah, c'était ça la quête. On va checker ce qui se passe là-haut. Oh là là, là c'est quête sur quête, hein. On n'en peut plus, hein. Ok. Là, on commence à avoir, malheureusement, un inventaire bien rempli. À quoi ressemblent les... Ok. Il va y avoir un bail ici, hein, je pense. Oh putain, merde, on peut rentrer. Incroyable. Ok, une clé. Une trape. Un nuisible de l'extérieur est venu pour la fille. Enfermez-la dans l'église et attendez les ordres de notre Seigneur. Jusque-là, gardez l'entrée de l'église fermée. La clé sera conservée dans la grotte de l'autre côté du lac. Le monstre se chargera de cet intrus. Le lac. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres surprises. Ok. Ok. Let's go. Jusque-là, tout va bien. La photo de la fille avec écrit « Gardez-la enfermée dans l'église jusqu'à l'heure prévue. » Ok. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans, dites donc. Je me souviens pas de tout ça. Là. Ok. C'est bon. Plus de peur que de mal. Très bien. Les portes sont ouvertes. On va s'occuper des pierres tombales. Et on aura fait une quête de plus. Mine de rien, ça c'est très intéressant. Je crois de mémoire qu'il y a des trous comme ça dans les pierres tombales. Eh ben, il faut viser les emblèmes dans le trou. Il n'y en a que deux. Il y en a... Ah, mais non. Celle des jumeaux. C'est les deux pierres tombales qui sont l'une à côté de l'autre. Let's go. Attendez. Je les ai vues en plus. Elles sont là. Voilà. Allez, ça c'est fait. Okay. Ça c'est fait, mon petit pote. Tu l'attendais pas, celle-là. Ok. Les amis... On va, je crois, affronter non pas El Gigante, mais le monstre du lac, normalement. Et là, ça risque d'être relativement terrible. Que dis-je ? Relativement terrible. Ok. Le lac, hein, toujours un lago ! Ok, bonsoir. Oh, bâtard. Voilà. Voilà. Oh la vache. Ok, viens par ici ma petite bichette. Bah alors. Mort. J'ai plus de tête. Ok. Ok. Ria. Très bien. Alors on souffre. Ok. Ça, on prend. Quoi d'autre? Ça, on prend. Ah!
Oh, mon fils de pute, mon serpent. C'est bon. Ok, pas de panique à bord. Hop, le fun est là, vitesse d'abord. On va passer ici. Superbe. Oh non. Arriva, arriva, il italiano. Arrête-toi. Mais qu'est-ce qu'ils disent depuis tout à l'heure? Ça veut dire quoi? Ça veut dire je te jette. Dégage. Je te jette une torche, je te casse la gueule. Possible. Okay. Attendez, attendez. Je l'ai pas touché une fois, sa mère. C'est pas possible. Rien à péter. Hop. C'est pas possible, frère. Ok. Oh, je viens de découvrir qu'on peut se tourner rapidement. Bon, après, c'est pas le truc le plus utile. Enfin, si, ça l'est. Mais ça va, le personnage se retourne quand même beaucoup plus rapidement que Resident Evil 4. Donc en vrai, c'est ok de fou. Attendez, on va checker quand même une dernière fois. Oh, mais c'est pas vrai, les gars. Oh, laissez-moi 2 minutes. J'ai juré. Suivant. Suivant. Pas ici. Ok. Là, je pouvais rester derrière un petit rubis quand même. Un petit rubis chacal, je peux te dire que ça fait du bien. Ok. Gauche et droite. Très bien. À droite, il y a un petit détonateur. On est bon. Pour l'instant, j'ai pas loupé trésor à part ici. Tiens donc. Et si on y allait 2 minutes? C'est, je suppose, non loin. Ah putain, je. Il est là. Mais alors là, vache, comment on va là-bas? Par là? Ouais, je suppose. Ok, je suppose qu'on va descendre, hein, c'est ça. Je vais laisser le trésor ici pour l'instant. Parce que j'ai peur qu'il disparaisse quand même, même si après divers tests, je ne pense pas. Ok, hop, on est bon, superbe. Ok. Ici, c'est fermé. Je suppose que c'est là où il y aura El Gigante. Très bien. Hop. C'est par là, on continue. Hello. Non mais c'est ici. C'est ici, non? Hello. Alors attendez. Eh ben on va trouver quelqu'un capable de soulever ça. Ouais, ben on va le trouver, bibiche. Destruction des médaillons 2. Quelqu'un pourrait-il détruire ces médailles bleues? La zone est polluée. Il y en a 5. Oh les gars, regardez. Regardez-moi ça. Alors? What?
Oh, toute la thune. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, tout cet argent. Tout cet argent, pardon. Qu'est-ce qu'on a là? Yes, 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 yes. Yes et yes. Allez, merci, au revoir. On a encore un trésor ici. Ah, mais maintenant que je sais qu'il y a la carte, les gars, c'est limite notre challenge, en fait. La carte, elle dit tout, les potes. En vrai, de vrai, c'est presque notre challenge. Je pense que, pour le coup, je vais pas faire le man. On va la regarder moins que prévu. Mais réel, hein. Ça, ces clés-là, je sais pas où on peut trouver ça. J'en ai aucune idée. Ok. Oh, superbe, ça. Superbe. Bonsoir. Il y a quelqu'un? Ok. Donc, il y a un vendeur, normalement. Il est où, le vendeur? Allez. Oh, putain, je me suis chié dessus. Ok, pas mal. Oh! C'est une manière de me remercier, ça. Une pièce hexagonale A. Donc, il y en a plusieurs. Je peux aller à gauche. Je peux aller en bas. Je peux aller ici. Ok. Très bien. Il y a du pesetas. Il y a du pesetas. Hein. Je peux aller... Bon, sur un malentendu, j'ai essayé quelque chose. Excusez-moi. J'ai dérivé. Je peux aller ici. Ok. Je peux aller où aussi? Je peux aller ici. N'oubliez pas que dans... Je crois que dans Resident Evil 4, me semble-t-il qu'on pouvait prendre du poisson, hein. Mais pas que dans le 4, hein, by the way. Ok, pas mal. Bon, bah, y a plus rien à faire en bas, donc à mon avis, la suite est là-haut. Oh, le stand. Alors comme ça, t'as terminé une requête, hein. Bien joué. Il y a assez d'armes ici pour former une guérilla. Ok. Au lieu de laisser tes armes inutilisées, prendre la poussière, pourquoi ne pas les vendre et profiter de cet argent pour améliorer les armes que tu utilises vraiment? Lorsque tu vends une arme que tu as améliorée, tu récupères quasiment tout l'argent que tu as investi dedans. Ne cherche pas d'astérix ou de petites lignes cachées, il n'y en a pas. Un travail bien fait mérite une réponse à la hauteur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Toujours le Punisher, hein. Le viseur laser qui sert pour la SG-09R et le Punisher. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. Est-ce que c'est pas mieux je sais pas, je ne fais que modeler une arme pour répondre à peut-être tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus beau? Et voilà, comme tu l'as demandé. Voilà. Réparer. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Ouais, non, y a rien, y a pas de carte au trésor. Reviens rien quand pour tu l'instant. Veux, surtout. Écoutez, on est plutôt pas mal. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Il faudra aller par ici. Il y a le stand de tir à découvrir. J'ai trop hâte. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On va faire ça lors du prochain épisode. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. À bientôt tout le monde. Bye bye.